Bonjour à tous et très heureux de faire cette vidéo en votre compagnie puisque aujourd'hui, eh bien, je réalise cette petite capsule pour vous remercier d'être 30 000 abonnés sur cette chaîne YouTube, une chaîne qui grandit de jour en jour, notamment depuis ces fameuses émissions qui ont démarré il y a 18 mois. Alors aujourd'hui, eh bien, j'ai souhaité faire cette vidéo pour me présenter aux nouveaux abonnés, aux nouveaux arrivants qui me découvrirait grâce aux émissions et qui ne connaîtrait pas un petit peu mon parcours. Donc, c'est une petite présentation personnelle que je souhaite vous faire aujourd'hui. Alors, je vais le faire grâce notamment à des partages d'écran, que ce soit de mon site internet, de ma chaîne YouTube notamment, sachant que, à titre personnel, je n'ai aucun conflit d'intérêts, c'est-à-dire que je n'ai pas de carte de presse, je ne suis pas journaliste de formation, de carrière, puisque je n'ai pas fait d'école de journalisme. Je suis plutôt, donc, comme disait Coluche, la politique, c'est 50 droits et tout le reste de travers. Alors moi, j'ai fait 50 droits et tout le reste de travers, mais sans faire de politique politicienne, dans le sens où je n'ai jamais été engagé dans un parti politique. Ça ne m'empêche pas d'avoir des convictions, mais je suis apolitique, asyndical, donc jamais, enfin je ne suis pas syndiqué, en tout cas en ce moment, si je puis dire, et je ne suis pas non plus franc-maçon, ni membre du Rotary Club, du Lions Club ou de quelques réseaux hermétiques ou secrets que ce soit. Je ne suis pas non plus suicidaire, je n'ai pas de casier judiciaire, et bien sûr, je suis responsable de mes propos dans cette vidéo, bien entendu. Ensuite, eh bien, au-delà des remerciements que je souhaiterais vous faire de votre fidélité, de votre accompagnement et de votre soutien à chaque émission et chaque semaine depuis bientôt 2 ans, eh bien, j'aimerais que vous connaissiez mieux mon parcours et qui je suis réellement. Alors après, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que je vais dire. Simplement, j'ai eu un parcours un peu atypique puisque je n'ai jamais été là où on m'attendait forcément. C'est-à-dire qu'après le droit, donc en 2013, j'ai quitté la fac sur plutôt un échec puisque ma licence de droit, je ne l'ai pas eue comme je l'espérais. J'ai fait des petits travaux, des petits boulots. Je travaillais à l'usine, j'ai travaillé comme commercial. Je travaillais dans le commerce, voilà, j'ai bourlingué comme on dit. Et puis mon expérience la plus notable dans mon parcours à titre personnel, ça a été de travailler à la Cité de Carcassonne comme agent d'accueil touristique. Et puis ensuite, quelques années plus tard, de travailler à la grotte de Lascaux. Donc ça a été ma plus grande expérience d'être guide touristique, ce qu'on appelle aujourd'hui dans la novlangue moderne médiateur culturel. Pour moi, médiateur, c'est quelqu'un qui règle des litiges entre les parties. Bah là, c'est quelqu'un aussi qui fait des visites guidées. Donc c'est pour ça que je suis quelqu'un qui, par habitude, est très bavard, qui a l'habitude des monologues et à qui on reproche souvent dans les émissions de monopoliser la parole et de couper la parole aux invités. Quelque chose que j'assume malgré tout, qui est un de mes défauts, que j'essaie de réguler au quotidien. Mais encore une fois, personne n'est parfait. Et dans le journalisme que j'apprends au quotidien, j'essaye aussi de ne pas être une plante verte et de ne pas être passif. Voilà, j'aurai l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Ensuite, par la suite, eh bien, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que en parallèle, j'ai entamé une carrière littéraire. Donc, j'ai commencé l'écriture à l'âge de 16 ans par des poèmes, essentiellement pour les filles à l'époque. Ça fait très cliché de dire ça, mais c'est la vérité. Et donc, c'est en septembre 2006 que j'ai commencé mes premiers poèmes et j'ai fini par écrire mon premier roman qui s'appelle Sentiments partagés. Donc, ça me permet de partager l'écran avec vous pour vous présenter mon site internet. Donc là, c'est la parenthèse, on va dire, commerciale, puisque voilà mon site actuellement qui est, on va dire, en sommeil, comme l'a été ma chaîne YouTube avant les émissions. Donc c'est assez intéressant puisque je prévois de refaire le site internet totalement via mon webmaster qui s'appelle Vincent et que je salue pour 2025. Donc le site, en fait, aura une toute autre mouture, un autre visage, puisque là, c'est pour mettre en avant ma carrière littéraire, mais qui est en sommeil depuis plus de 5 ans, puisque le Covid, malheureusement, a tué le monde de la culture, et j'en ai été une des victimes collatérales. Mais finalement, un mal pour un bien, puisque la carrière littéraire que j'ai menée de 2011 à 2019 inclus, eh bien, n'a pas été de tout repos, puisque le monde de l'édition est très compliqué. Et de ce fait, pour mes premiers romans, eh bien, je ne trouvais pas d'éditeur, donc j'avais 20 ans à l'époque, et donc on ne fait pas confiance aux jeunes déjà à l'époque. Donc, Sentiments partagés, notamment mon premier roman présentait le parcours d'un jeune garçon qui s'appelle Jérôme Marchand et qui est victime de harcèlement à l'école. Suite à un accident de voiture, il se retrouve défiguré, on le surnomme Frankenstein. Donc, on peut lire le livre, ou en tout cas un extrait, donc c'est via Calameo, où on peut lire les premières pages et on peut le commander. En cliquant sur le lien, donc via la FNAC essentiellement, Cultura, voilà, sachant que j'ai aussi des exemplaires à titre personnel. Donc vous pouvez m'écrire par mail qui est en lien de la description
avec notamment, si vous voulez le commander à l'ancienne, comme certains m'envoient des dons par chèque, par courrier, eh bien, pareil pour les romans, et puis je fais une dédicace en retour. J'ai des exemplaires sur moi, donc pas de souci, et puis ça permet de garder un lien direct plutôt que de passer par une centrale ou j'allais dire, un réseau de distribution annexe. Voilà. Donc, Sentiments partagés, ça a été mon tout premier ouvrage, sachant que ça a été suivi en 2012 par Scrupule. Et c'est à l'époque où on commence beaucoup à parler des faits divers de cyberharcèlement, des rendez-vous pris par les réseaux sociaux pour aller dans un jardin public. Ça, c'est factuel, ça s'est passé en mai 2012. Et un jeune garçon qui voulait pensait que son ancien harceleur voulait faire son mea culpa s'est retrouvé agressé par trois personnes dans un jardin public. Donc, ça m'a inspiré, entre autres, pour l'écriture du livre. Et là, on est au lycée avec une intrigue policière aussi en filigrane, puisque dans Sentiments partagés, suite à l'accident de voiture qui tue la sœur de Jérôme, eh bien, le chauffard prend la fuite et au final, on enquête sur ce chauffard durant l'épisode de Scrupule. Et dans Renaissance, troisième tome de la trilogie qui deviendra saga par la suite, eh bien, on apprend qui est ce chauffard et une confrontation se fait entre Jérôme et ce chauffard avec le harcèlement comme cette fois combat militant. Ce qui a été mon cas quand j'ai écrit Renaissance, j'étais engagé publiquement contre ce phénomène. Voilà. Donc par la suite, il y a eu Une famille en danger. Donc ça a été un petit peu la rupture avec le roman. J'ai été écrivain public en 2014 pour Une famille en danger. Donc là, le livre est gratuit, c'est-à-dire que je n'ai plus d'exemplaires et je m'étais engagé auprès d'Elisabeth Ackermans, qui malheureusement nous a quittés le 1er mai 2015, en lui disant, voilà, je sortirai 300 exemplaires. Et ensuite, je ne ferai pas plus d'exemplaires. Je ne voulais pas me faire de l'argent sur son dos et sur le dos de sa famille, sachant que très peu de gens de sa famille étaient au courant à l'époque. Et donc, je me suis engagé à ne pas faire plus. Alors, elle souhaitait faire connaître son histoire de 1933-1957, où elle a été notamment. Elle a voyagé à travers la France, depuis la Hollande, d'où elle était originaire. Donc, après ces exemplaires. Eh bien, j'ai décidé de le mettre directement en accès libre. Donc, en lisant, en cliquant, vous avez tout l'ouvrage des 94 pages. Voilà. Donc, ça, c'était ce que je souhaitais faire. Et puis, je suis revenu au roman avec, en 2015, Souviens-toi, qui, pareil, est lisible gratuitement en cliquant sur Lire le livre ou son extrait. Voilà. Donc, un roman littéraire, un roman dans le roman, avec voilà, un roman sentimental. À travers cela, donc c'était vraiment pour se faire plaisir, et c'est suite à un film avec Karen Viard et Eric Caravaca qui est sorti, je crois, vers 2015-2016, qui s'appelle Les Ambitieux, ou même plutôt 2006, je crois, Les Ambitieux, et donc c'est un libraire qui souhaite devenir écrivain et qui essaye par tous les moyens d'y arriver. Voilà, donc c'est un petit peu cette inspiration-là que j'ai eue avant de revenir dans le même temps au harcèlement scolaire, puisque. Souviens-toi, je l'ai écrit quand j'étais à Carcassonne à l'époque, et je l'ai écrit en 3 mois. Et Najat Vallaud-Belkacem, qui était ministre de l'Éducation nationale, eh bien, sortait la théorie du genre, la réforme de l'orthographe, etc. Toutes ces réformes ridicules. Et ça m'a tellement mis en rage que j'ai qu'une nuit, pour être tout à fait honnête pour l'anecdote, je me suis levé à 1h du matin et puis je me suis dit, il faut que je poursuive la trilogie, je ne peux pas m'arrêter à Renaissance. Et là, j'ai fait La loi du silence. Donc, qui pareil est en rupture de stock, donc on peut lire le livre directement. C'est un ouvrage donc, que j'ai écrit en 2015 pour une école en 2020. C'est un roman d'anticipation où j'imaginais mon personnage donc en 2020. Donc là, on se téléportait quelques années après Renaissance où mon personnage était père de famille et qu'il justement était professeur de français dans son ancien lycée où il avait été victime de harcèlement. Et là, on voit notamment le numérique. Donc là, j'ai imaginé essentiellement le côté presque intelligence artificielle, mais surtout l'ubérisation du milieu scolaire avec le pas de vague et le côté professeur qui voit le harcèlement du côté des élèves. Donc voilà, là, je changeais de braquet et je me projetais dans une forme de roman d'anticipation avec à la fin des numéros verts, des sites internet, donc un guide pratique. Donc tout est dans le lien, lire le livre ou son extrait. Et puis, par la suite, je me suis mis au roman musical, cette fois, avec notamment Enquête de vérité, puisque un jour, en allant au printemps du cinéma, je suis tombé sur le film Clo-Clo, avec Jérémy Régnier, qui était le biopic de Claude François.
Et là, j'ai eu une révélation et j'ai écrit cet ouvrage, donc en hommage à la carrière artistique, parce que je sais par la suite que, à l'époque, j'en avais pas conscience et on n'en parlait pas à ce point-là, mais que Claude François, c'était pas un enfant de cœur en privé. Voilà, donc c'est pour ça que aujourd'hui, l'ouvrage a un écho relatif, enfin, voire même plus d'écho du tout. Et donc, c'est pour bien rappeler le côté, pardon, le côté vraiment artistique, musical, voilà. Pour le côté parole, le côté voilà vraiment musical du livre. C'est uniquement ça. Et donc en fait, j'ai imaginé un ouvrage en 1977, donc j'ai pris un risque, c'est d'imaginer justement une époque que je n'ai pas connue. Voilà, donc avec John McLaughlin, chanteur populaire à l'apogée de sa carrière, qui rêve de faire l'Olympia. Et parmi les lettres qu'il reçoit au quotidien de ses fans, eh bien il reçoit des lettres anonymes et qui vont remettre en question sa vie. De carrière, sa vie de famille. Donc la question de l'identité est très présente. Sachant qu'à l'époque, c'était courant de prendre un pseudo dans le monde artistique. Donc ce livre-là, je l'ai toujours en stock. Donc vous pouvez aussi le commander si vous le souhaitez. Voilà, vous m'écrivez par mail, etc. Et puis je peux vous faire une dédicace. Il m'en reste allez, peut-être 50, 60 exemplaires avant d'être en rupture de stock. Et comme voilà, c'est un ouvrage que je traîne depuis quelques années, qui n'a pas été mon plus grand succès, il faut le dire. Après, j'ai pris un risque aussi, c'est de passer à rebrousse-poil de tout ce que je faisais. Mes ouvrages qui fonctionnaient le plus, c'était sur des sujets engagés. Voilà, donc là, j'ai voulu vraiment me faire plaisir. Et puis, juste un flirt, qui est un ouvrage plutôt sur la musique classique cette fois, avec un côté détective, enquête policière avec Justin Pinter qui est recherché par la police pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Et il a changé totalement de vie et est devenu un talentueux pianiste et prépare son premier spectacle au Bataclan. Sachant que Lise Bonnard est libraire, qu'elle est célibataire, qu'elle n'a pas vraiment de vie sociale et les deux vont se rencontrer. Et au fur et à mesure de leur relation, eh bien, le passé de Justin va revenir à la surface. Je rappelle au passage que la loi du silence est dédiée à toutes les victimes des attentats du 13 novembre. Parce qu'au moment où j'étais en pleine écriture de l'ouvrage, il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, mais il y a aussi du 13 novembre. Et quelques jours après ces attentats, une jeune fille qui s'appelle Marguerite m'écrit en me disant que un de mes lecteurs est décédé au Bataclan. Et donc j'ai voulu lui rendre hommage à travers la loi du silence. Voilà. Donc de ce fait, à l'heure actuelle, il y a notamment Divisé pour mieux régner, donc de 2018, cette fois, chez une éditrice qui malheureusement a fermé ses portes durant le Covid. Donc là, l'ouvrage, pareil, est en lecture accessible gratuitement, avec un roman où je parle du harcèlement au travail à l'usine. Donc il y a une inspiration de ce que j'ai pu connaître aussi à l'usine, sachant qu'à l'époque où j'y étais, des collègues m'ont dit pourquoi tu ferais pas un bouquin parce que ça permettrait justement de nous défendre, de montrer ce qu'on vit vraiment. Voilà. Donc au-delà du harcèlement à l'école, il y a aussi le harcèlement au travail que malheureusement j'ai pu connaître, pas très longtemps heureusement, avec un guide pratique à la fin de l'ouvrage. Voilà. Ensuite, il y a eu mon dernier ouvrage et peut-être qui a le mieux fonctionné pour moi sur le plan éditorial. Et des ventes, puisque je vais être transparent avec vous. Hein. Moi, j'ai jamais vendu des millions d'exemplaires, voire même des dizaines de milliers, j'en ai jamais vendu, parce que c'est très précaire et parce que j'ai jamais eu les réseaux nécessaires pour cela. La Foire au Livre de Brive, etc., jamais pu y participer. J'ai fait beaucoup de salons, j'ai pas à me plaindre parce que j'ai toujours vendu des ouvrages, au moins un ouvrage en salon du livre. Mais c'est vrai que les salons ne me manquent plus parce que c'est très précaire et c'est une vocation que je n'ai plus comme avant. Peut-être que ça reviendra, mais les émissions ont fait que j'ai changé vraiment de vision des choses. Et le Covid a provoqué aussi cette opportunité-là, paradoxalement. Donc, si Lascaux m'était compté, eh bien, c'est un ouvrage que j'ai écrit quand j'étais guide à Lascaux. Et j'ai démarré l'ouvrage quand j'ai commencé à Lascaux 4, donc en 2016-2017, où je me suis dit, ce serait bien que je puisse laisser une petite trace de mon passage. Et puis qu'un jour, eh bien, si dans 50 ans, quelqu'un tombe sur cet ouvrage, qu'il se rappelle comment nous avons été formés pour travailler à Lascaux 4. Donc, tout est factuel. C'est une forme de fiction autobiographique où j'ai voulu rendre hommage à mon grand-père, qui était passionné d'histoire, qui n'était pas guide, mais à qui j'aurais pu transmettre ma passion de la visite guidée de la préhistoire. Voilà, donc cet ouvrage, je rends hommage aussi aux artistes de l'atelier des facsimilés du Périgord qui m'ont aidé pour expliquer comment le facsimilé a été construit.
Et puis, j'ai bien sûr parlé de préhistoire, évoqué les premières visites. Donc là, c'est plutôt le côté, pour caricaturer un peu, le mode d'emploi de devenir guide à Lascaux sans avoir les diplômes adéquats pour le faire. Voilà, donc moi, j'ai commencé à Lascaux 4 sans rien connaître quasiment à la préhistoire. On a été formé pour ça sans avoir jamais fait de visite guidée. Mes premières visites guidées en formation étaient calamiteuses. Et puis au final, bah, je me suis perfectionné, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup lu aussi. J'ai lu des dizaines de bouquins sur la préhistoire. En partant de Lascaux, j'avais quasiment lu toute la boutique qui s'était renouvelée. Donc voilà, il n'y a pas de secret, c'est le travail et la passion. Parce que c'est un métier passion avant tout. Et ça a été vraiment un plaisir de travailler là-bas. Et ça a été une décision difficile à prendre que de quitter Lascaux. Mais à un moment donné, je sentais que j'avais fait le tour et j'avais fait l'équivalent de presque 10 types de visites différentes. Donc des visites guidées classiques, des visites prestige. J'ai même fait une visite littéraire avec l'ouvrage en citant des passages durant mes visites guidées. Donc voilà, c'était une grande fierté que d'avoir cela. Donc l'ouvrage, vous pouvez toujours le commander chez l'éditeur. Il est aussi en version numérique. Voilà. Donc pour résumer, les ouvrages que j'ai en stock encore, c'est Sentiments partagés, Scrupules, Renaissance, ainsi que Justin Flirt et Enquête de vérité. Voilà, donc c'est 5 ouvrages. Tout le reste, si Lascaux m'était compté, vous pouvez le commander. La loi du silence, c'est en accès libre et gratuit sur le site avec Souviens-toi et divisé pour mieux régner. Une guerre pas comme les autres, c'est pareil, parce que c'est un journal de bord du confinement, donc je n'ai pas voulu publier quoi que ce soit de commercial. Donc là, on lit le livre directement. Voilà, c'est vraiment pour restituer les premières semaines de confinement en 2020. Donc ce site va évoluer avec la partie émission, avec alors l'agenda, c'était pour les dédicaces, mais là je verrai si je mets pas l'agenda du mois. Donc je vous tiendrai au courant au fur et à mesure, mais voilà, pour 2025, ce site va être entièrement refait. Alors pour caler les émissions, ça va être compliqué parce que j'ai plus de 200 et quelques émissions à poster, donc ça va prendre du temps, donc va falloir être patient. Mais en parallèle, il y a la chaîne YouTube. Et donc cette chaîne YouTube, eh bien, je vais vous expliquer comment elle fonctionne à l'origine, parce qu'elle a été construite non pas pour les émissions. Donc ça, c'est ce que vous voyez de prime abord. Donc vous cliquez sur vidéo et vous tombez donc sur les plus récentes. Alors je vais faire les plus anciennes. Voilà. Donc mon reportage sur le harcèlement scolaire, c'est ça qui a fait la différence. Alors ce reportage, je voudrais expliquer comment il a été diffusé, parce qu'au départ, vous voyez, je suis assez jeune sur la photo, sur la vignette. J'ai 21 ans. En réalité, ce reportage, il a été diffusé en 2017. C'est-à-dire que je l'ai tourné quelques mois après mes débuts dans l'écriture, mes débuts dans la publication littéraire, pardon. Donc, j'ai publié fin 2011 mon premier ouvrage, Sentiments partagés. En janvier 2012, à l'époque, Énergie 12 me contacte avec la société Télé Paris pour faire un reportage que voici. En avril 2012, au moment de l'ascension, je reviens en Normandie et je fais aussi en partie chez mes parents à l'époque en Dordogne le reportage. Donc il y a les deux villes. Et puis ce qui se passe, c'est que le reportage doit passer en septembre 2012 pour l'émission qui s'appelle Victime. Et Victime, en réalité, eh bien, ce reportage ne verra jamais le jour sur RMC Découverte, pardon, sur Énergie 12. Et 5 ans après, j'étais à Lascaux quand c'est arrivé, en décembre 2017. Eh bien, sur Instagram, un jour, quelqu'un me contacte et me dit, Monsieur Bouvier, vous passez en direct à la télé. Là, je ne comprends pas. Et je dis, mais sur quelle chaîne? On me dit sur RMC Découverte. Et je comprends en réalité que le reportage avait été non pas sur Énergie 12, mais filé à RMC Découverte. Et ça donne ce reportage donc, que j'ai publié il y a 6 ans. Voilà, donc je veux même. Alors d'ailleurs, production Télé Paris. Voilà. Et j'ai publié le 16 décembre 2017 ce reportage. Tout y est là. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est ça qui a démarré la chaîne YouTube. Ensuite, après cela, j'avais fait un peu de télé. Donc vous voyez mon passage dans les médias traditionnels, notamment en Suisse. Donc là, c'est en 2015, le 22 avril 2015, jour d'ouverture de la grotte Chauvet pour les initiés en préhistoire. Donc là, je parle de mon parcours, etc. Et puis, je parle notamment du harcèlement scolaire. Puis après, je fais quelques vidéos. Je t'ai passé aussi sur TV Carcassonne. Voilà. Donc, j'ai fait deux, trois passages. BFM Business. Donc, à l'époque où je cherchais absolument
à présenter mes ouvrages à la télévision. Et puis, deux, trois ouvrages comme ça, deux, trois vidéos. Et à un moment donné, eh bien, j'ai commencé à m'engager avec les émissions. Donc, je devais avoir fait à peu près, voilà, c'était peut-être une des dernières vidéos, le soutien à Enzo, victime de harcèlement scolaire. Et puis, ce qui s'est passé, voilà, le bilan de l'année 2022, voilà. Et je crois que c'est après cette vidéo-là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais de cette chaîne YouTube? On était 554 abonnés sur la chaîne. Je me suis dit, est-ce que je la supprime? Est-ce que finalement, je passe à autre chose? Est-ce que j'en refais une autre pour changer de registre? Et puis, à l'époque, il y a un auteur que je connais, Mathieu Biasotto, et un proche dans mon entourage me dit, tiens, j'ai lu ce bouquin, ça pourrait t'intéresser, La pelote de laine, la pelote bleue. Et donc, ce que je fais, c'est que je lis ce bouquin. Donc, on est en décembre, janvier. Et là, je remarque que cet ouvrage, eh bien, il parle de BlackRock, de Pfizer. Enfin, il dénonce beaucoup de choses. Et ce n'était pas le genre de littéraire de Mathieu Biasotto. Donc, ce que je fais, c'est que je contacte. On discute un peu avant. J'y vais pas de but en blanc. Et puis, donc ça, c'est dans les plus anciennes vidéos. Et donc, dans Dérouler la pelote. Et on fait l'émission. Le 16, voilà, le 16 février 2023. Voilà, enfin, le 15-16 février 2023. Donc, première émission en direct. Voilà. Donc, vous voyez, avec les moyens du bord, j'avais un casque à l'époque. Enfin, j'y connaissais rien à StreamYard. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et je remercie Mathieu parce que c'est grâce à lui si j'en suis là aujourd'hui indirectement. Ensuite, je me suis lancé. Et puis, j'ai fait avec d'autres, hein, Pierre-Yves Thévenon, Stéphane Cuvelier, Françoise Nicolas, Thomas sur le handicap, Les Suspendus avec Brice Didiot, que je salue, Armelle Leroy, donc c'était avant son départ en pèlerinage pour Brice, Morad El-Attab, Emmanuel Herbin, bref, vous voyez, Denis, que je salue aussi. Voilà, donc beaucoup d'émissions qui se sont faites. Et ça me permet de vous montrer un petit peu aussi comment on fait pour retrouver des invités que j'ai pu recevoir. Parce que souvent, on me dit, vous avez invité qui? Est-ce que vous avez invité, par exemple, Patrick Jolan? Alors, je vais sur en direct, et il y a le petite loupe, Patrick Jolan, je tape, et là, je tombe sur deux émissions que j'ai faites avec lui, notamment avec Marie-Charlotte, Anne-Marie Guim et Ronald Guillaumont, je les salue. Voilà. Donc, si par exemple, vous voulez voir, je ne sais pas, moi, Éric Mercier, admettons. Éric Mercier, on a fait pas mal d'émissions ensemble avec Éric, puisqu'il a été aussi l'invité surprise avec Docteur à l'Ouest. Voilà, donc toutes les émissions avec Éric qui sont là, avec notamment la dernière en date qui est il y a 3 semaines sur les personnels suspendus. Voilà, donc tout y est, c'est facile à retrouver, il suffit de mettre le nom. Je sais pas, je prends au pif comme ça Amélie Paul, allez. Voilà. Par exemple. Donc voilà, l'accueil vidéo, shorts, en direct. Alors comme je suis sur ma chaîne, là que je suis connecté, il y a l'onglet s'abonner. Donc bien sûr, on peut cliquer sur s'abonner. Voilà, j'ai fait ce qu'on appelle des shorts, des très courtes vidéos, mais je ne suis pas expert là-dessus. Voilà, si vous voulez que j'en fasse, vous me le dites, mais voilà. En direct, donc ça, c'est les dernières émissions, les plus populaires. Voilà, donc Marion Sigaud sur la Révolution française, Christine Coton et Guillaume de Soignants Militants, Pierre Barnérias, Jean-Jacques Crèvecœur, Romain Molinas, Youssef Indy, voilà. Donc vous avez toutes les vidéos les plus populaires. Et exceptionnellement, je vous fais entrer dans les coulisses de la chaîne, parce que justement, c'est quelque chose qu'on présente très rarement. Pour voir un peu comment ça fonctionne. Voilà. Donc là, tableau de bord. Donc ma chaîne n'est pas monétisée, je le précise. Je n'ai pas de financement de YouTube. J'ai essayé une fois pour tester, mais je ne suis pas assez politiquement correct, je pense, pour avoir le financement. C'est très compliqué. Et je sais que certains confrères ou certains YouTubeurs ont souvent des censures, des soucis avec YouTube par rapport à la monétisation parce qu'ils s'écartent au niveau linguistique, si je puis dire. Alors là, j'ai commis une infraction il n'y a pas longtemps par rapport à une publication. Voilà, donc mise en garde, reçue le 5 octobre. Alors je ne sais pas sur quoi c'était la publication, peut-être sur un post avec une citation ou un truc comme ça, mais voilà.
Donc, avertissement. Donc là, actuellement, vous êtes 30 585. Donc, je peux voir les données d'analyse de la chaîne. Aperçu. Voilà, là, c'est vraiment. Alors, y a toujours, c'est toujours une marge d'erreur parce que en temps réel, contenu, voilà. Puis bon, quand vous regardez une émission, c'est pas, c'est voilà, durée moyenne d'une vue, c'est 27 minutes sur 3 heures d'émission. Ça ne fait pas forcément beaucoup. Voilà. Donc, voilà, je peux savoir ce que vous regardez comme chaîne à côté. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, je voulais montrer vraiment comment ça se passe sur la chaîne. Avec notamment l'onglet communauté. Alors, ils mettent post. Ouais, c'est de l'anglais. J'y suis pour rien. Ce n'est pas moi qui fais la traduction. Voilà. Avec notamment tout ce que je poste, donc les sondages. Donc voilà, je poste régulièrement des questions, enfin de temps en temps des sondages, des posts, voilà. Donc ça, c'est pour bien expliquer comment ça se passe et m'avertir. Voilà, je prends par exemple une émission. Voilà, donc le petit pouce. Voilà, données analytiques, modifier la vidéo, le top chat. Donc, pour le reste, forcément, il y a aussi la cagnotte, on va en parler, pour rappeler que je reste indépendant, que je n'ai pas de financement extérieur. Alors, je travaille, enfin je travaille. J'écris de temps en temps un article pour le confrère Rémi de Juste Milieu, pour son magazine Le Banquet. D'ailleurs, mon dernier en date, c'était sur l'ASCO. C'était sur l'ASCO au mois de septembre, puisque le 12 septembre, j'ai fait la conférence sur la découverte de l'ASCO et j'ai fait aussi un article pour Rémi, voilà, qui lui a bien plu d'ailleurs. Et comment dire, j'ai même été contacté par certaines personnes qui m'ont remercié de cet article, donc tant mieux. Alors, la cagnotte Tipeee, pour vous expliquer simplement, parce que certains, au départ, quand je l'ai lancé, m'ont demandé. Comment ça fonctionnait. Alors déjà, ça va me permettre de vous présenter aussi mes réseaux sociaux. Parce que je suis sur Facebook. Voilà, je prends le temps de vous le montrer parce que j'ai tellement été, comment dire, arnaqué avec les usurpations d'identité et compagnie que je préfère vous montrer exactement quel compte j'ai. Voilà, parce que je suis sur 15 réseaux sociaux. Ce n'était pas mon intention au départ, mais bon, ça s'est imposé presque à moi. Pour vraiment vous montrer. Alors, là où je suis le plus actif maintenant, c'est sur Twitter. Donc, sur Twitter, ça, c'est mon compte. Donc, vous êtes actuellement 8100, voilà, à me suivre et je vous remercie. Donc, n'hésitez pas à me suivre si vous êtes sur Twitter. Ensuite, sur Facebook, alors j'ai eu 15 000 comptes sur Facebook hein, depuis 16 ans, sachant que j'étais très censuré à partir de 2022. Donc, j'ai dû. Voilà, j'ai dû refaire plein de comptes. Donc, pour vous montrer exactement mon compte, pour l'instant, je n'ai pas l'intention de changer. Alors, j'avais laissé entendre que je quitterais peut-être Facebook à cause de la censure. Finalement, je resterai parce que ça reste quand même un outil important qui m'a fait démarrer, qui m'a fait connaître. Et surtout, c'est quelque chose voilà, que j'ai qui me permet de rester en contact avec beaucoup d'entre vous. Voilà, j'en suis conscient, je ne veux pas vous abandonner aussi, je sais que le contact est particulier, donc voilà. Alors ça, c'est mon profil, mon compte, j'allais dire, public. Voilà. Donc vous pouvez m'ajouter en ami si vous voulez, je ne vous fais pas un dessin. Et puis ça, c'est ma page officielle, qui est très invisibilisée d'ailleurs. Très invisibilisée. Et je vais vous montrer comment ça se voit, parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. À l'antenne. Par exemple, si je fais détail de la page, les options, elles ont tellement changé que j'y comprends plus rien. Détail de la page. Ah, je sais plus. Je sais plus comment on y va. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, la page, en fait, elle n'est pas recommandée parce qu'elle est trop putaclic. Enfin, je vous fais pas un dessin. Donc, vous êtes 20 000, ça fait des mois que ça n'a pas bougé parce que c'est tellement invisibilisé, voilà. Mais ça, c'est ma page officielle. Ensuite, j'ai un compte Instagram, bon, qui est très peu, que j'utilise assez peu, qui est peu suivi d'ailleurs.
Voilà. Donc ça, c'est mon compte Instagram. Et puis ensuite, j'ai un compte TikTok, chose que je ne pensais pas faire. Mais bon, beaucoup de gens m'ont incité à le faire parce que c'est vrai que sur TikTok, ça bouge pas mal. Alors, j'utilise assez peu en plus, voilà. Mais bon, je suis sur TikTok aussi. Et puis, je suis sur VK aussi. VK, c'est le fameux Facebook russe, vous savez, la fameuse dictature. Je suis sur un réseau qui prône la dictature, apparemment. Voilà. Donc ça, comment dire, ma page. Et puis, c'est long à charger parfois. Voilà. Et vous êtes nombreux sur VK à me suivre. Merci beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est pour les réseaux. Ensuite, pour la cagnotte, bah, j'irai expliquer tout ici. J'ai même fait une petite vidéo pour expliquer pourquoi j'avais décidé de quitter l'ASCO, de quitter mon entreprise pour me consacrer pleinement aux émissions. Donc c'est voilà, le but, c'est vraiment de rappeler que comment dire, aujourd'hui la charte de Munich, elle n'est plus tout à fait respectée. Et moi, j'y tiens à cette charte de Munich. Quoi qu'il arrive, et donc j'ai tout expliqué ici. Et pour faire un don, bah voilà, vous avez la cagnotte Tipeee. Tip, c'est pour boire. Je fais un test comme ça pour vous montrer, confirmer mon tip, par exemple. Et puis par mois ou uniquement pour cette fois-ci. Voilà. L'avantage, c'est que voilà, vous pouvez donner 10 euros par mois indéfiniment ou alors uniquement pour cette fois-ci. Voilà. Alors pour ceux qui sont adeptes des choses à l'ancienne, un peu comme moi, eh bien, j'ai mon adresse postale qui est en dessous de chaque émission. Voilà. Nicolas Bouvier, PP76, 24 200 Sarlat. Voilà. Donc comme ça, c'est clair. Et il n'y a que ça. Donc j'allais dire, voilà, j'ai mis l'objectif, j'ai mis les top tipeurs, il y a les commentaires. Je remercie d'ailleurs tous les commentaires. D'ailleurs, tous ceux qui commentent, qui m'écrivent un message en laissant un don, une contribution, je leur réponds personnellement. C'est moi qui réponds. Hein. Je n'ai pas de secrétaire, j'ai personne qui le fait à ma place. Je tiens à le faire de manière artisanale. Alors, peu importe le temps que ça prend, même si je réponds au bout de quelques jours, alors certains me disent, je suis déçu, vous ne m'avez pas répondu, etc. Oui, mais bon, je ne peux pas tout faire, je ne peux pas être partout, faut me comprendre aussi, j'ai pas 5 personnes qui font le boulot à ma place. Je sais que certains payent des gens pour répondre à leur place, moi, ce n'est pas mon but. Je tiens à garder le contact direct, sans intermédiaire, en tout cas, tant que je le pourrai. Voilà, donc ma présentation, voilà, il y a ça. Ah oui, il y a la chaîne Odyssée aussi que j'ai oublié. Vous voyez comme quoi je finis par m'y perdre. La chaîne Odyssée, je vais vous la montrer rapidement. Alors, la chaîne Odyssée, je m'en occupe très peu. C'est simplement pour faire le copier-coller des émissions parce que je ne suis pas, comment dire, très à l'aise avec tout ça. Je ne suis pas un technicien, honnêtement. Voilà. Ce n'est pas du tout organisé pareil. Voilà, vous êtes quand même 1400, je vous remercie. Si jamais la chaîne YouTube sautait, bon bah vous retrouverez les vidéos ici. Je ne suis même pas sûr d'avoir mis toutes les vidéos, mais voilà, vous avez le contenu, vous avez l'essentiel. Donc bon, il y a quand même pas mal de vidéos, mais à l'heure actuelle, oui, on est à plus de, on arrive à 220 émissions. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer. Donc vous retrouvez toutes mes vidéos. Alors le mieux, voilà, les plus anciennes. En direct, c'est pareil. Si vous voulez revoir les premières que j'ai faites, voilà, les plus anciennes, donc depuis 16 février 2023. Voilà, donc de 16 février, pardon, 2025, ça fera 2 ans, sachant que la 300e émission devrait apparaître vers, j'avais noté, vers mi-mars 2025. Voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, j'espère que tout cela a été clair. Si vous avez des questions, des commentaires à apporter, n'hésitez pas en lien de la description. D'ailleurs, il y aura les liens habituels. Mon contact mail, etc., pour m'écrire en lien de la description. En attendant, un grand merci de votre soutien. Vous êtes plus de 30 000. Pourquoi pas un cap sur les 40 000? On prend notre temps, on va dans la progression. Il n'y a pas de compétitivité pour moi, à part être concurrent de la veille de ce que j'ai pu faire et de devenir meilleur chaque jour et de me perfectionner. Voilà ce qui m'importe. Et surtout de donner la parole à des gens qui n'ont pas, ou pas beaucoup, ou pas suffisamment, et de traiter de tous les sujets possibles. Voilà ce qui m'importe. Donc merci à vous pour votre présence, pour votre soutien, pour votre fidélité, pour vos commentaires, pour votre bienveillance aussi. Et bah, n'hésitez pas à partager cette émission à cette vidéo qui va rester un support. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.